just going home. I'm a late, late show. No one to meet me at home. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je suis vraiment désolée s'il y a des petits bruits en arrière-plan, c'est parce que je viens d'avoir ma nouvelle machine à laver, donc j'ai mis une machine et donc il y a peut-être des bruits. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo plutôt inattendue parce que moi-même je comptais pas la faire. Ça va être une vidéo où je vais vous parler de mon année 2020, de pas mal de choses qui se sont passées. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un récapitulatif pour moi. Je le fais hyper tard parce qu'on est fin janvier, mais parce qu'au début je sais pas, je me disais ça va pas être intéressant, et en fait en y réfléchissant je me suis dit que c'était une bonne chose de faire un petit récap pour toutes les personnes qui me suivent pas mal. Il y a peut-être des choses que vous saurez déjà, mais je me suis dit que j'allais aussi vous demander si vous aviez des questions par rapport à mon année 2020, un peu sans tabou, histoire que je réponde aux questions auxquelles j'ai jamais répondu, parce qu'il y a des questions que j'ai évitées depuis l'année dernière clairement, et je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose d'y répondre pour être 100% transparente avec vous, et aussi pour que vous puissiez suivre un petit peu ma vie. Alors mon année dernière je l'ai commencé en janvier avec 3 semaines de vacances, et donc je suis partie avec ma famille à Brighton et ensuite à Londres, puis avec ma meilleure amie à Prague. Franchement c'était incroyable, notamment Prague parce qu'on est parti 3 jours. Faut savoir que je vais vous raconter une petite anecdote, je vais pas tout raconter, mais ça montre bien que j'ai commencé mon année 2020 sur un très mauvais pied. Donc la veille de notre départ à Prague, je décide avec ma meilleure amie d'aller en soirée parce qu'elle était en passesse, en boîte, et je sais pas pourquoi on se dit tiens ça va être malin d'aller en boîte alors que on part à 5h du mat le lendemain. Mais je sais pas, j'étais trop à fond. En plus Noémie bah, ça faisait un peu genre 6 mois qu'elle sortait plus et que je la voyais à peine, donc voilà. Et en fait on est allé à cette soirée et j'ai beaucoup trop bu sur un temps beaucoup trop court, et ça a été horrible. Donc déjà on est rentré, on a failli louper notre avion et notre bus parce qu'on s'est pas réveillé, donc heureusement qu'il y avait son père. Et voilà, jamais vécu un transport et une gueule de bois aussi intense et horrible. Et voilà, ça m'arrive très rarement. Je suis pas quelqu'un qui boit non plus en grosse quantité, mais là on va dire que j'avais pas de chance. En vrai j'en ai jamais parlé sur YouTube, en plus je faisais des gens vlog à ce moment là donc vous pouvez revoir les vlogs, et j'avais même vlogué ce jour là alors que j'ai jamais été autant dans le mal de ma vie. Bref, on est allé à Prague, gros coup de cœur sur cette ville qui était magnifique. Ensuite après je suis rentrée à Lille et on va dire que j'ai repris mes études. Mon second semestre s'est mieux passé que le premier, tout s'est enchaîné assez vite, j'ai pu forcément exactement de souvenirs de cette période là, mais c'est vrai qu'il y a eu la période après, donc before confinement puis confinement. Je me souviens que on le sentait pas forcément arriver, enfin un petit peu, mais je pensais pas que ça durerait aussi longtemps comme tout le monde. Et personnellement je suis rentrée à Rouen pour le confinement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu comme question sur ma petite évacue comment j'avais géré les cours à distance. Moi je gère beaucoup mieux depuis un an les cours à distance parce que j'arrive mieux à m'organiser et mieux à travailler. Et le confinement, malgré le fait que bah, j'étais très loin de ma vie étudiante et que j'étais à Rouen chez moi, ça a pas été une mauvaise période. J'ai bossé à fond sur YouTube. Ça m'a permis aussi de prendre du recul un peu sur mes études et sur tout ça, de me rendre compte que même si j'avais galéré, c'était ce que je voulais faire quand même comme étude. Et donc voilà, donc ça a été vraiment une période assez cool malgré tout. D'ailleurs, petite anecdote, je pense très fortement avoir attrapé le Covid au début du confinement parce que mon père l'a eu et que moi j'ai eu des symptômes et que ma soeur a eu des symptômes, mais je fais pas de sérologie parce que j'ai la phobie de la prise de sang et que de toute façon ça change rien parce que je me fais tester à chaque fois que je rentre chez moi. Mais voilà, c'était la petite anecdote, j'en avais jamais parlé sur YouTube parce que je sais pas, à l'époque c'était un peu touchy comme sujet, le Covid et tout, et donc j'avais peur d'en parler. Aussi, un truc dont je me souviens, c'était la période avant Covid, je me souviens que j'avais fait plusieurs allers-retours à Paris et tout, et c'était grave cool parce que ça faisait rencontrer carrément des gens, enfin je me souviens que j'avais fait des potes de Rémi, enfin bref c'était assez marrant et c'était une période assez cool. Mais comme vous le savez peut-être, je sortais pas énormément avec des gens de mon école et tout, à cette époque là j'étais pas hyper intégrée, mais c'était une période sympa. Et donc comme je vous disais, le confinement, le seul truc qui me manquait c'était vraiment de sortir, de voir mes amis, mon indépendance aussi puisque forcément j'étais avec ma famille. Mais ça a quand même été une période plutôt saine et je pense que, enfin je regrette pas du tout d'un point de vue personnel ce confinement. Après forcément j'aurais préféré qu'il ait pas eu lieu parce que ça aurait voulu dire qu'il y aurait pas eu de pandémie, mais j'espère que vous comprenez. Aussi je m'étais mis une grosse pression par rapport aux cours et je voulais en parler. Je m'étais dit ouais, faut absolument que t'aies 14 de moyenne au second semestre, et j'étais hyper fière de moi parce que j'ai réussi à avoir 14,6 l'année dernière. Voilà, c'était vraiment des matières où je m'épanouissais plus, et donc j'étais super contente. Ensuite il y a eu la fin du confinement. Je me souviens que pour moi ça a été une période assez floue parce qu'en fait j'étais toujours en examen, donc je sortais peu parce que c'était ma période d'examen et que j'étais à Rouen. Mais il y a eu aussi une anecdote dont pareil je vous en ai jamais parlé parce que ça me mettait très mal à l'aise, mais maintenant avec le recul
Bah c'était pas forcément de ma faute, mais bref. Donc à ce moment-là, je sortais pas, je faisais vraiment très 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 gaffe au niveau du Covid par rapport à ma famille, et voilà, même s'il y a personne à risque, mais quand même. Et donc un jour, j'ai des amis de Rouen qui me disent, bah viens à une soirée, il y a tout le monde, il y a tous nos potes du lycée, du collège et tout, viens. Mais il faut savoir que les soirées à Rouen, ça a rien à voir avec les soirées à Lille, enfin dans le sens où nous, vu que la plupart on habite pas dans Rouen, on habite dans des maisons, donc les soirées c'est dehors, enfin c'est pas la même chose. Et j'y vais, et genre vraiment j'avais hyper peur, genre je faisais la bise à personne, je m'approchais de personne, machin et tout. Et une semaine après, j'apprends qu'il y avait un cas contact là-bas, enfin quelqu'un de positif. Et j'ai commencé à stresser, donc évidemment je suis allée me faire tester direct, je suis restée en isolement, machin et tout. Et fun fact, l'assurance s'était trompée dans les numéros de téléphone, et en fait ils t'appellent normalement, enfin à l'époque ils le faisaient, maintenant ils le font plus je pense parce que c'est trop le bordel pour eux. Mais à l'époque, vu qu'il y avait très peu de cas à ce moment-là, et bah tout le monde était au courant que dans ma ville il y avait ce cas cluster, alors qu'en fait c'était pas du tout un cluster puisqu'il y a eu aucun autre cas et que ça se trouve c'était un faux positif, mais bref, vous m'avez compris. Et bref, et donc l'assurance s'était trompée et ils m'ont vraiment appelé une trentaine de fois en tout, et à chaque fois ils me foutaient la pression, et je finissais par avoir peur. Et je me disais, mais je me suis fait tester. Et en fait, à la fin, j'ai compris, enfin, avant ce qu'ils m'appellent, je leur ai dit, mais attendez, enfin, moi j'ai fait un test, je suis négative, ça fait déjà 2 semaines, donc pourquoi vous continuez à m'appeler? Ils ont dit, ah, mais on s'est trompé de personne, d'identité, on a mis votre numéro sur plusieurs personnes. Donc, bref. J'ai stressé comme d'hab, mais bon. Donc suite à cette histoire, je suis pas trop sortie. Il y a aussi un autre truc qui s'est passé, c'est que j'avais vachement envie de rejoindre une asso et j'ai décidé de postuler au BDA, donc au Bureau des Arts. Je sais pas trop si vous connaissez tout, et j'ai été prise au Bureau des Arts et j'étais trop contente. Bon, j'ai vu personne cet été-là parce qu'avec le Covid et tout, c'était bazar, mais ça me mettait déjà dans un bon mood par rapport à la rentrée. Ensuite j'ai fait 2 mois de stage en tant que serveuse, donc en juin et juillet. C'était pas une période hyper simple non plus parce que ça me prenait du temps, c'était fatigant, mais au moins j'étais occupée. Le seul truc qui me saoulait un peu, c'était que je voyais les gens partir en vacances et tout, et moi je taffais, et que c'était pas forcément, enfin le taf était cool, mais juste c'est pas ce que je veux faire, donc je finissais par vraiment m'emmerder. Mais c'était une chouette expérience et franchement je regrette pas du tout, c'était hyper cool. Et je me souviens que en gros le lundi et le mardi, non, oui, le lundi je travaillais pas, et donc souvent, enfin parfois on allait à la plage avec mes potes, on a fait plusieurs plages de Rouen autour de Rouen, et c'était trop cool. C'était une période aussi pareil assez cool, et parfois genre après mon service je faisais des petites soirées avec mes amis, et donc c'était assez bien. Ensuite à la fin de mon stage je suis partie un peu à Paris et tout, et à un moment j'étais chez Rémi. Et j'ai une petite anecdote aussi à vous raconter qui a aucun sens. Un soir, je sais pas pourquoi, on se dit on va sortir, et c'était vraiment la période où c'était hyper chelou parce que vous saviez, il y avait encore des trucs ouverts, enfin c'était pas interdit d'ouvrir les bars et tout, mais voilà, enfin bref. Et au niveau du Covid, vu que je voyais plus ma famille et tout, je continuais à faire gaffe, mais ça me faisait moins peur, enfin j'osais genre aller faire des courses ou des trucs comme ça sans me laver 15 000 fois les mains, enfin bref. Et donc un jour avec Rémi on arrive, enfin je sais pas, on part à un endroit, je sais plus où c'était, enfin bref. Et on nous dit bah non vous pouvez pas rentrer, vous avez pas 21 ans, donc j'étais en mode what the fuck. Et à ce moment là j'étais habillée vraiment genre en mode, je sais plus quelle chaussure j'avais, mais j'avais mon t-shirt de pyjama et je sais pas, avec une veste de costard. Et ça, en vrai ça rendait stylé, mais c'était marrant. Et donc on marche, on se dit putain on a nulle part où aller, on va pas rentrer et tout, enfin voilà on est au milieu de Paris. Et là on passe devant le palais de Tokyo. Et on se dit vas-y viens. On essaie de rentrer. Il y avait genre une sorte de soirée privée ou je sais pas. On se dit bah vas-y on essaie de rentrer. En vrai on a rien à perdre. Voilà. Mais en vrai, enfin moi je suis pas assez jeune et tout. Je me disais ça va pas passer. Et on arrive juste, on dit bonjour machin. Et là ils nous laissent rentrer. Et vraiment à l'intérieur c'était trop drôle parce que c'était que des gens qui avaient beaucoup beaucoup d'argent. Enfin je veux dire les verres c'était vraiment hyper hyper cher. Ça avait rien à voir avec ce qu'il y avait en boîte et tout. Et c'était marrant parce que je me suis dit vas-y, je me suis retrouvée au palais de Tokyo en pyjama. Donc voilà, c'était une anecdote assez cool. En vrai il nous arrivait plein de trucs, mais il y a plein de trucs que je veux pas trop raconter sur YouTube. Mais c'était cool, pareil, très bonne période. Ensuite, et ça revient à une question qu'on m'a demandé. On m'a demandé si je pourrais parler des scouts, si c'était pas trop un sujet sensible. Alors non, pas du tout, c'est pas un sujet sensible. Faut savoir que de base j'étais censée partir en août au Laos, mais ça s'est annulé avec le Covid et tout. Donc à la place on a fait une semaine de rando avec mes potes. Franchement il y a un vlog dessus d'ailleurs qui a super bien marché, et merci à vous, enfin vraiment c'est trop trop cool. Même les scouts et guides de France ont commenté ma vidéo.
Et voilà, c'était malgré tout une trop trop bonne période, ça m'a permis de revoir Marie et tout, enfin bref, c'était vraiment très très bien et j'ai aucun regret par rapport au fait qu'on soit pas parti au Laos, enfin forcément je l'ai un peu en travers de la gorge mais c'est pas hyper grave et normalement on part à Saint-Martin 3 semaines cet été aider la réserve naturelle mais encore une fois il n'y a rien de sûr d'ailleurs si vous connaissez des logements ou si vous êtes scout là-bas, si vous connaissez un hébergement je suis hyper intéressée pour août. Donc voilà, pareil les scouts j'en parle un peu moins mais parce que bah, ça fait quand même 3 ans qu'on monte notre projet et c'est compliqué de rester motivée et donc c'est pour ça que je me dis si ça se fait tant mieux je vloguerai tout ça mais si ça se fait pas bah, j'ai pas envie non plus de devoir genre réexpliquer sur YouTube et tout. Ensuite j'ai fait la fin des vacances, je suis partie à Lille une semaine pour filmer des vidéos notamment, pour vraiment me ressourcer avec moi-même, non je rigole mais enfin j'ai vu des potes et tout. Et c'était aussi une période hyper cool, à ce moment-là je charbonnais sur YouTube, mes vidéos marchaient très bien, beaucoup mieux que maintenant et ça me faisait plaisir, enfin vraiment ça a été une très très bonne période. À la fin de l'été aussi je suis partie en tour de Normandie avec mes amis pendant une semaine, c'était assez éprouvant, c'était beaucoup plus dur qu'avec les scouts parce qu'il y avait beaucoup de vent, il pleuvait, on a fini par casser la tente. J'ai fait une vidéo sur cette semaine là donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez, mais pareil c'était super beau, enfin il y avait vraiment des paysages assez cool et ça m'a fait plaisir de voir qu'on était quand même capable de nous les jeunes genre trouver des solutions malgré la situation pour quand même s'amuser en vacances. Donc après est arrivée ma rentrée et franchement c'était trop trop cool jusqu'à ce que je devienne cas contact et que je doive aller me faire tester et m'isoler alors que j'avais même pas genre vu cette personne pendant une soirée mais pendant du taf, donc j'avais bien le seum. Aussi je voulais revenir sur un sujet qui m'est beaucoup demandé parce que je n'en ai pas encore parlé mais on me demande plusieurs fois, déjà on m'a demandé si j'étais toujours bah, avec mon amour du lycée et aussi on me demande de parler de mes relations amoureuses et tout et je pense que c'est un peu le bon moment pour en parler dans cette vidéo. Alors faut savoir que j'ai été en couple pendant très longtemps, pendant 5 ans et vous avez suivi ma relation. Je suis pas quelqu'un qui affichait énormément mais juste forcément quand je montrais mon groupe de potes et même j'ai déjà fait des vidéos avec cette personne et comme j'ai jamais percé non plus, j'ai jamais pris peur on va dire des fans entre guillemets genre envahissants ou qui me poseraient des questions trop perso mais j'ai jamais non plus affiché énormément ma relation et ce qui fait que quand elle s'est terminée j'ai décidé de pas en parler sur YouTube pour diverses raisons mais surtout parce que vu que cette personne n'était pas du tout sur les réseaux sociaux je me suis dit bah c'est pas forcément hyper pertinent d'en parler directement, ça fait vraiment... Enfin, j'avais pas envie d'utiliser ça pour les clics ou des trucs comme ça et je voulais laisser le temps faire les choses. Donc voilà, on s'est séparés il y a quelques mois. Aussi un truc que j'ai remarqué pas mal, c'est que j'ai l'impression que les gens parlent sur YouTube de leur rupture quand c'est des choses qui sont mal passées, quand les gens ont besoin d'en parler, on va dire, enfin vous savez, d'extérioriser, je juge pas du tout ça. Mais en l'occurrence, moi je considère que c'était une rupture très saine et très mature et... J'ai pas plus souffert que ça durant cette rupture. Il y a vraiment pas eu de tromperie ou de trucs comme ça. Et donc c'est pour ça que je ressentais pas le besoin d'en parler sur YouTube. Mais comme on me pose beaucoup de questions et que à chaque fois que je fais une FAQ, on me le redemande, ce que je peux comprendre, bah je voulais en parler comme ça, tout est clair et voilà. Et aussi, bah c'était aussi important pour moi de vous montrer que je pense que parfois les ruptures peuvent être plus positives que négatives et que c'est pas forcément... une période horrible parce que c'est souvent comme ça qu'on voit ça sur YouTube et c'est vrai que je parle très peu de ma vie perso par rapport à ça, de ma vie amoureuse et tout parce que c'est pas un sujet dont je parle énormément aux gens en règle générale, à mes proches ou quoi et donc c'est pour ça que je préférais que les gens, mes proches l'apprennent de moi plutôt qu'ils voient ça dans une FAQ YouTube. Mais donc la réponse est non mais je pense que vous aurez compris assez rapidement que je m'étais remise en couple et oui, pareil cette relation, c'est pas que je comptais pas l'afficher mais étant donné que je suis tout le temps avec cette personne je me cache pas non plus, en fait j'ai pas envie de commencer à faire des secrets, des trucs comme ça parce que je trouve que voilà je suis personne, je suis pas une star. Je pense que on va dire les gens qui me suivent sont assez matures pour comprendre les choses et pour comprendre où sont les limites on va dire de la curiosité mais voilà en tout cas, enfin je sais pas quoi vous dire, genre ça fait plusieurs mois, c'est... ça se passe très bien, voilà. Et donc voilà, en tout cas je suis très contente dans ma vie, j'ai eu la chance on va dire dans ma vie je trouve de pas avoir... d'énormes problèmes niveau relations amoureuses ou des trucs qui m'ont détruit et heureusement et donc voilà. Ah oui, et aussi il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de relations amoureuses en temps de confinement. Pour être 100% honnête, bah moi je suis confinée avec mon copain, donc j'étais confinée avec mon copain et d'autres gens. En vrai je pense que ça dépend énormément des personnes parce que je sais que là je le supportage 24 et qu'on est à 24 ensemble mais il y a des gens même en termes d'amitié que j'adore et avec qui j'aurais jamais pu être confinée pendant un mois
Donc voilà, je pense que en vrai ça doit être super dur pour les gens qui sont pas confinés ensemble. Et franchement, je vous amène tout mon soutien. Mais je pense que faut pas se forcer à se confiner avec quelqu'un si t'as pas envie. Et si tu sais que ça va pas marcher parce que ça peut faire plus de mal que de bien. Après, mon début d'année s'est plutôt bien passé. On va dire que c'était plus frustration, énorme frustration au niveau de tout ce qui était soirée et tout, au moment où il y a eu le confinement, le couvre-feu. Je sais qu'on parle beaucoup des jeunes et tout, mais enfin, c'est pas... je sais qu'il y a tellement pire que de pas pouvoir faire des soirées ou quoi, mais c'est juste que quand t'es jeune, c'est compliqué. Enfin, mais c'est juste que quand t'es jeune, c'est ce moment-là où tu te construis socialement parlant. Et d'autant plus quand t'es dans des écoles ou quand tu veux bosser dans du commerce, malgré tout, c'est hyper important d'avoir, on va dire, des contacts. Et quand t'es une personne qui, comme moi, est déjà timide de base, genre, je trouve ça compliqué. Et franchement, j'espère que ça s'améliorera dans les années, mais dans les années suivantes. Mais j'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose quand même de ma vie, malgré tout. Mais malgré tout, je me suis fait des super bons amis cette année, notamment en 2020. C'était vraiment trop trop cool. Et c'est vraiment une des meilleures périodes de ma vie, même si j'aime pas comparer les périodes de ma vie. Mais malgré le Covid et malgré tout ce qui s'est passé, c'est trop trop bien. Le confinement, je l'ai fait encore une fois, bah, comme vous l'aurez compris, avec mon copain et mes potes. C'était pareil, hyper cool. Voilà, j'ai pas eu forcément de mal avec les cours à distance. Et franchement, c'était une période assez bien. Juste mon seul regret de 2020, c'est au niveau du sport et de l'alimentation, parce que le sport, j'ai vraiment arrêté. Je m'étais inscrite à la salle et finalement, d'ailleurs, Basic Fit, grosse arnaque, n'y allait jamais. Bref, ils m'ont arnaqué de A à Z, mais bon, je n'en parlerai pas ici. Et finalement, le sport me manque pas mal et j'aime trop aller à la salle, mais toutes les salles sont fermées, donc j'espère pareil que ça réouvrira. Et voilà, ma fin d'année 2020, je l'ai finie à la montagne avec mes parents. C'était pareil, très très cool, très très chill, pas du tout de soirée, mais bon, c'est pas très grave, j'aurai le temps d'en faire toute ma vie. Comme vous l'aurez compris, je pense que comme beaucoup de gens, mon année 2020 était un petit peu différente. J'ai pas vécu de moments hyper tristes, très sincèrement, j'ai vécu une année plutôt positive. Après, forcément, j'étais frustrée sur plein de trucs, mais... d'un point de vue personnel, j'en retire que du positif. Et si vous avez envie de me dire, bah, je sais pas, 5 trucs qui vous ont marqué, ou un peu moins même, mais des trucs qui vous ont marqué de votre année, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à me le partager en barre d'infos, parce que ça m'intéresse à chaque fois de connaître un petit peu vos vies et d'en savoir un peu plus sur vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, ou juste je blablate avec vous et je vous parle de ma vie. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours du soutien en plus.